mày đâu vô đây mày 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 hôm nay là ngày hôm trước là ngày đám cưới nha, hôm nay là ngày ra Mary ở Vân Đơn. Hôm nay hai người này ra ký giấy phong thần. Đây đây đó, một cặp này ký giấy phong thần đây. Đây là Vân Đơn Lê Nancy ở Pháp nha. Đây cặp này. Cặp này là Philip vô chung với Mai luôn. Philip vô chung với Mai luôn. Hôm nay nhạc lâu đài tình ái nha. Đây là Hotel Del Vin nha, Hotel de la Mary nha. Đây là chỗ Maria đám cưới đó. Hôm nay đây cặp này đây, hôm nay ta ký giấy phong thần. Ở bên đây bên Pháp này mà là ký giấy phong thần rồi là thôi xong rồi đó nha. Lát đi vô xa nó đèn đèn ở trong, bà con thấy không? Hơi lại hơi sớm chút, nó chưa mở cửa. Thì mình phải đứng chờ nó mở cửa vô. Nó vô rồi mình mới nó hỏi hai bên có chấp nhận hay không. Chấp nhận rồi thì là ký giấy. Ký giấy xong rồi là phong thần đó là xong. Đi vô. Đi vô. Je peux faire. Merci. Đây, nó đâu vô sàn nào đây. Đây. Ký giấy phòng thành. Trong cái hộp có cái gì hộp.
Monsieur Descroix ou Monsieur Descroix? Descroix. Descroix, monsieur. Et madame? Alors, qui tu y aimais? Oui, qui tu y aimais? Qui tu y aimais? Merci. Đây là khách sạn của La Mairie nha. J'ai un certain nombre d'articles de loi à vous lire sur les frais de mariage. Donc pendant ce temps, vous restez assis et puis j'en fais la lecture. Ensuite, je vous ferai signe pour... D'abord, je vous pose la question sur le contrat de mariage. Donc, normalement, il n'y a pas de contrat de mariage qui a été déclaré. Je vais vous poser la question, là, il faudra dire non. D'abord, c'est le moment où on dit non. D'accord. Et après, je vous ferai signe de vous lever, les mariés, éventuellement les témoins, mais pas forcément tout le monde, hein, juste le premier rang. Et puis là, ce sera les consentants des époux. Après, vous pourrez vous remettre assis et donc on lira les actes d'état civil. D'accord. On fait la lecture. Comme ça qu'on fait officiellement dans le mariage. Ça va pour vous? Très bien. On peut commencer. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder au mariage de M. Jean-Philippe Decroix et de Mme Tituyette Mai Nguyen. Mais auparavant, nous devons vous donner, Madame, Monsieur, lecture des articles du Code civil qui vous concernent. Article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Messieurs, dames, avez-vous consenti à un contrat de mariage? Non. Les époux conjoints ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Les témoins aussi? Comme vous voulez. Ah bon. Pour vous faire travailler. On est pour ça. Alors, Monsieur Jean-Philippe Decroix, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Tituyette Mai Nguyen? Oui. Madame Tituyette Mai Nguyen, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jean-Philippe Decroix? Oui. Au nom de la loi, nous déclarons Jean-Philippe Decroix et Tituyette Mai Nguyen unis par le mariage. Félicitations. Maintenant, nous allons vous demander de prendre connaissance de l'acte qui consacre votre union. Le 19 novembre 2022, à 11h, devant nous ont comparu publiquement en la maison commune Jean-Philippe Decroix, prothésiste dentaire, né à Auchel le 7 août 1973, domicilié à Camblin-Châtelain, 33 rue de la Gare, fils de Raymond Léon Decroix et de Marie-Rose Henriette Catherine Dumès d'une part, et Tituyette Mai Nguyen, vendeuse, née au Vietnam le 24 décembre 1978, domicilié à Vendeuvre-les-Nancy, 2 rue de Hollande, fille de Tidine Nguyen, d'autre part, sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux
et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Titu Tai Huang, épouse Huang, responsable de restauration domiciliée à Froa, 20 rue Camille Claudel. De Ngoc An Oan, bijoutier, domicilié à Froa, 20 rue Camille Claudel, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte. Les époux et les témoins ont signé avec nous. Marilène Villaume, maire adjoint de Vendeur. Félicitations, messieurs. Vous pouvez échanger les amas si vous voulez. Et on fera les signatures après. Vous regardez comme un enfant. Au bout là-bas. Non, c'est là, non? Ah, papa. Non, mais bouche. Il n'y a pas d'orquille là. Madame, il n'y a pas d'orquille là. C'est ça, c'est les deux. Il faut faire les deux, une ici et une ici. Đừng có rung nha, ký cho nó đẹp nha. Rồi xong. Ký lấy cầm tay. Il était là. Les deux? Là, témoin, oui. Pour le mariage, les actes de mariage, le livre de famille, et puis le ticket de la vie de Vendeur. Voilà. Học sổ ở trong đó nha. Et j'ai manqué dedans. Si c'est l'anglais. Vì về family á, con sổ gia đình á. Félicitations. Félicitations. Bonne fête, c'est terminé. Ouais, c'est fini. Merci. 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 Au revoir. Et bonne journée. Ta xong rồi, xong rồi. Nào về coi phim đi. Đó, bây giờ thế là ký giấy phong thần xong rồi đó, giờ bắt đầu đi về. Không, mẹ đi thường thường nó đưa cái hộp đó, nó có hộp sọn trong đó nha, coi chừng. Allez, bon. Ah, c'est un bon souvenir. Allez, allez. Cái giấy là còn cảnh sát đồ gác cho mình rồi nữa chứ không vậy đâu. Merci, au revoir, bon weekend. Voilà, c'est bon. Là xong.